Alors, GDH Franchise Développement est un cabinet que j'ai créé il y a maintenant 3 ans avec 2 associés. Aujourd'hui, on est 7 consultants présents sur toute la France. On intervient dans 3 cœurs de métier. On fait du conseil, donc aussi bien à destination des réseaux que des franchisés. On intervient sur des problématiques de développement, donc on va faire de la recherche de franchisés, toujours sur un même système, c'est-à-dire un système au succès. C'est-à-dire que le temps qu'on ne rapporte rien, on ne coûte rien, c'était notre petit créneau. Et enfin, on intervient également sur une autre partie qui est très très souvent délaissée, qui est l'animation. Donc mettre en place une animation efficace, booster les réseaux. Pour bien des franchiseurs, l'animation est une dépense. Pour nous, on a réussi à créer une recette. On a un système de financement qu'on met en place derrière qui permet aux franchiseurs de gagner de l'argent sur l'animation. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait pour résumer. On intervient également à l'international. Donc on fait de l'accompagnement de réseaux à l'international, des réseaux étrangers qui souhaitent s'implanter en France et des réseaux français qui souhaitent s'implanter à l'étranger. Donc dans les deux sens. On a également mis en place un système de transmission du savoir-faire qui est très efficace, sous forme de bibles, des bibles très complètes, 500, 600, 2000 pages même pour certaines, qu'on peut mettre en ligne, directement accessible à tous les franchisés. On peut y accéder depuis un iPhone ou ce genre de système-là. Donc, une vraie spécialisation voilà, dans la transmission du savoir-faire, où on peut même aller chercher une démarche ISO. Et même chose, toujours avec un système de financement, comme on sait faire, pour permettre de le payer. Dès le départ, on s'inscrit vraiment comme des partenaires, plus que comme un cabinet conseil. Donc on intervient à toutes les étapes. On est sollicité aussi bien sur de l'aménagement de local que sur la mise en place d'une démarche hygiène et sécurité alimentaire, on nous pose parfois des questions sur la rédaction des contrats ou du DIP, donc on a l'œil également pour corriger ou bien recentrer certains contrats. Voilà, ça arrive assez régulièrement. On est vraiment le couteau suisse du franchiseur, on fait tout.